Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Je me présente brièvement, je m'appelle Louise, mais j'officie plus couramment sous le nom La ville et les nuages, parce que j'ai un nom, ma foi, très commun et qui est un petit peu difficile à se souvenir. Pour ce live, on va faire ça très simplement. Je vais d'abord vous présenter mon parcours, ce que j'ai fait et ce que je fais actuellement. Et ensuite, on réalisera une sorte de mini tuto pour créer un GIF pour les réseaux sociaux, puisque c'est quand même un peu mon cœur de métier. Et ensuite, on aura une petite partie discussion pour répondre à vos questions sur le métier d'illustrateur, puisque c'est ce que je fais, on va dire, à 90% du temps. Et voilà. Donc, on va juste commencer par une petite présentation de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Dans ma vie. Et alors, hop. Alors, pour faire assez rapide, je suis sortie de Penninghen, qui est une école de direction artistique et d'architecture basée à Paris, en 2018, et donc j'ai un diplôme de directrice artistique. Donc durant tout mon parcours scolaire, j'ai fait des stages à peu près tous les ans pendant ma scolarité. J'ai fait un premier stage chez Madame Bovary, qui est une agence de communication qui travaille essentiellement avec des budgets, comment dire, dans tout ce qui est la culture ou la sécurité routière, des choses très officielles, avec des créations et des briefs assez restreints. Donc c'était une très bonne école pour apprendre à respecter des briefs et à rester quand même créatif malgré pas mal de contraintes. Ensuite, j'ai fait un stage chez Atelier Pascali, qui était une petite agence qui a maintenant été absorbée par une beaucoup plus grosse qui s'appelle Mazarine et qui est une agence de packaging cosmétique. Donc là, j'ai travaillé avec L'Oréal et Garnier essentiellement. Et c'était pareil, une très bonne école puisque L'Oréal est un client relativement exigeant, enfin même très exigeant d'ailleurs. Donc pareil, avec énormément de contraintes de créativité. Durant mes stages et durant toute ma scolarité, dans tous les cas, j'ai toujours voulu tester des choses afin de ne pas me limiter. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment retenir lorsqu'on est en école ou en formation, c'est que c'est des moments où on peut essayer des choses et on peut se tromper, entre guillemets, et se tromper de piste ou de voie. Et donc moi, j'ai voulu essayer des choses, donc j'ai fait de la communication, j'ai fait du pack. Et mon troisième stage, c'était chez 360 créatives. Donc une petite agence située à Belleville, très sympathique, très pittoresque, qui est une boîte de production et qui produit notamment un très gros festival qui s'appelle le Quai 54, qui est un festival de basket à la base et qui rassemble énormément de rappeurs chaque année. Et donc ça, c'était un stage super intéressant puisque plus petite structure m'incombait plus de responsabilités et on m'a vraiment confié la création et des travaux très responsabilisants qui ont été très formateurs par la suite. Et ensuite, j'ai fini mes études et j'ai travaillé en freelance directement après mon diplôme chez BETC, qui est une grosse agence de communication et de publicité basée à Pantin. Donc ça, c'était une expérience assez brève. J'ai toujours été freelance depuis ma sortie d'école jusqu'à maintenant, j'ai jamais été salariée. Même si mon travail chez BETC était quand même à 100% chez eux. Donc j'ai toujours été dans le freelance et c'est toujours ce que j'ai fait. Donc c'est quelque chose dont je vais pouvoir vous parler bien en détail. Donc pour ce qui est un peu de mes créations, entre guillemets, parce que j'imagine que c'est quand même ce qui vous intéresse, je vais commencer par mon projet de fin d'études, qui était un projet en fait totalement libre. On avait 4 mois pour le réaliser. Et moi, j'avais pris en fait le risque, entre guillemets, de traiter d'un sujet d'actualité et de société qui est l'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage ici, on parle vraiment du fait d'apprendre un métier avec un maître d'apprentissage. Et à l'heure actuelle, c'est pour apprendre des métiers qui sont malheureusement peu valorisés en France, à savoir des métiers manuels ou des métiers qui sont peu mis en avant et peu reconnus. Et c'est des métiers où il y a du travail en fait. Et moi, je me suis dit que ça serait intéressant de les mettre en valeur justement avec un travail très coloré et très punchy. Et uniquement en illustration, puisque ça permettait en fait d'aller au cœur du message et d'être un petit peu plus léger et ludique que ce qu'on avait pu voir jusqu'à maintenant, qui étaient vraiment des choses très lourdes et un petit peu moralisatrices. Donc j'avais fait une campagne en fait de communication à 360 degrés, ce qu'on appelle, donc qui traite tous les supports, aussi bien digitaux, affiches urbaines et goodies entre guillemets. Donc ce que vous pouvez voir sur la gauche, c'est un nuancier des métiers que j'avais réalisé, qui mettait en avant en fait tous les métiers possibles avec l'apprentissage, avec à chaque fois les salaires, les cursus, etc. Donc ça c'était pareil, un nuancier façon nuancier de peinture, et c'était un support qui aurait été amené à être proposé durant les salons étudiants ou durant des moments comme ça où les étudiants pouvaient se renseigner sur les possibles formations. Et ensuite j'avais réalisé des petites campagnes vidéo comme celle-ci en fait pour Snapchat, puisqu'à l'époque, bon à l'époque on dirait que j'ai 70 ans quand je dis ça, mais c'était, Snapchat était quand même beaucoup mis en avant, notamment via Konbini, qui est un média que je pense que vous connaissez bien. Et du coup, voilà, j'avais réalisé des petites animations où on pouvait imaginer qu'à chaque fois on cliquait dessus et on avait une petite info sur l'apprentissage, pour vous montrer en fait qu'on peut faire des choses très corporate et très plausibles en fait en illustration, puisque c'est un projet que j'ai montré à énormément de DA, notamment pendant mon jury de diplôme, et qui était quelque chose de très, comment dire, envisageable sur un marché actuel. J'avais également réalisé Là, pareil, à droite, vous avez une autre des petites animations. Et j'avais réalisé une campagne d'affichage où il y avait 10 affiches qui proposaient en fait chacune une sphère de métier. Donc là, on avait tous les métiers de la finance, de la banque, qui sont des métiers qu'on peut faire en apprentissage et en alternance. Et à chaque fois, j'avais en fait choisi un petit slogan un petit peu ludique et catchy pour montrer en fait que c'était un sujet certes un petit peu inaccessible à la base, mais qui pouvait être traité de façon très, très ludique. Donc ça, c'était mon projet de diplôme qui m'a vraiment guidée vers l'illustration et qui m'a mis un pied dans ce que je voulais faire vraiment, puisqu'en fait, à la sortie des études, on est parfois un petit peu perdu, on ne sait pas vraiment ce vers quoi on voudrait aller précisément. Et moi, je savais peut-être à ce moment-là quand même que j'avais envie d'aller vers l'illustration. Donc après ma formation chez BETC, de ce dont je vous parlais au départ, je me suis mise en freelance, toute seule du coup. Et mes premiers projets en freelance en fait ont été des campagnes télévisées pour Cadum, donc qui appartient à L'Oréal pour la petite info. Donc c'était des pubs qui passaient en prime le soir. Et donc c'était des publicités pour promouvoir les nouveaux produits Cadum. Et là en fait on a ce qu'on appelle un manifesto, qui est une longue publicité en fait qui est montrée en interne dans toute sa longueur et sectionnée quand ça passe en télé. Et là c'était l'idée vraiment de montrer que Cadum se tournait vers quelque chose de plus bio, plus naturel, et qui se tournait en fait vers ses clients, et en plus de les informer qu'ils étaient en partenariat avec le mécénat de la chirurgie cardiaque. Donc voilà, là où vous pouvez aussi voir aussi que Cadum, c'est quand même un client qu'on retrouve quand même dans bon nombre de salles de bain chez les Français, et qui font en fait le choix de prendre l'illustration comme média majeur de leur pub. Donc c'est intéressant de se dire que l'illustration, elle est adaptable et hyper plurielle sur plein de supports divers et variés. Donc ça, c'était un de mes premiers projets. Ensuite, un de mes autres projets que j'ai réalisé, c'était une campagne en fait digitale sur Instagram avec Nike durant la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Donc Nike avait contacté des illustratrices uniquement, puisque c'était la Coupe du Monde féminine, oui, de football féminin. Donc je pense 5 ou 6 illustratrices par pays, pour parler en fait de notre équipe nationale. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de mettre en avant la capitaine de l'équipe, qui était Amandine Henry à l'époque. Donc on m'avait chargée de faire un post Insta pour parler de ma vision du football à l'époque, et de ce que je pensais intéressant de mettre en lumière par rapport au travail des équipes de foot féminin. Puis en plus, à l'époque, on parlait pas forcément énormément de foot féminin, donc c'était un super exercice. Et en plus de ce poste-là, on nous avait demandé de réaliser des stories, pardon. Et on était totalement libre en fait dans le traitement illustratif, puisqu'en fait ils avaient choisi les illustratrices pour le style qu'elles mettaient en avant. Moi, vous voyez, j'ai un style qui est très peu morphologique, on va dire, anatomique. Je déforme beaucoup les corps et les mouvements. Et là, ce qui les intéressait, c'était vraiment un travail de mouvement, de mettre en avant le foot et le dynamisme que ça génère. Donc pareil, voilà, 3 stories. Les marques font souvent ça, de mandater des illustrateurs pour les réseaux sociaux et de demander à ces mêmes illustrateurs de faire passer leur travail sur leurs réseaux sociaux. Moi, j'ai été mandatée par Nike, Nike Woman et Nike Football, mais j'ai utilisé mon Instagram pour promouvoir mon travail. Ça n'a pas été posté sur le travail de sur l'Instagram pardon de Nike ou de Amandine Henry, etc. C'était vraiment par mon canal personnel. Ça, je reviendrai dessus après sur l'importance d'avoir un compte Instagram quand on se lance en freelance ou quand on se lance dans l'illustration tout simplement, surtout à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai travaillé pour Viber, donc, qui est une sorte de WhatsApp qui est beaucoup utilisée en Asie, avec Line également. Et j'avais réalisé un pack de stickers en fait, pour utiliser sur l'application. Donc c'est de la même façon que les stickers qu'on peut trouver sur Facebook, donc pour parler, souhaiter l'anniversaire, dire j'ai faim, j'y vais, je suis en retard. Et là, pareil, il m'avait laissé beaucoup de liberté dans la mesure où il m'avait juste dit on aimerait avoir une mascotte qui ressemble un peu à un lémurien ou un tarsier, mais peu de gens savent ce qu'est un tarsier. Ma foi, c'est un animal qui fait relativement peur, donc je me suis plus orientée sur la piste lémurien, un peu dans le côté Madagascar, King Julian, un petit peu mignon et ludique, mais qui reste quand même certes assez enfantin, mais que par exemple des adultes peuvent utiliser, surtout en Asie où il y a quand même une forte appétence des choses un petit peu mignonnes et kawaii. Donc ça a été un des boulots que j'ai fait dans ma première année de free. Ensuite, j'ai eu la chance de faire une exposition à la Slow Gallery. J'en profite pour vous parler de cet endroit quand même si vous êtes intéressé par l'illustration. C'est une galerie à Paris qui est à Oberkampf et qui propose en fait tout un tas d'illustrateurs de tous les styles, avec une ouverture hyper large sur les sujets abordés. Et en fait, j'ai fait une exposition donc, qui s'appelait Bonap, avec 15 illustrations que j'ai réalisées et qui ont été exposées durant un mois dans cette galerie-là. Et c'était vraiment une vitrine super intéressante pour mon travail, parce que c'est quand même, quand on est dans le milieu de l'illustration, un lieu vraiment important pour les illustrateurs. Et moi, c'était un peu mon rêve quand j'étais en école, de me dire peut-être un jour j'aurai un de mes prints chez Lamia, qui est la directrice de cette galerie. Donc voilà un des projets que j'ai fait. Donc ça pareil, c'est un projet qui est très différent qu'un projet rémunéré avec des clients, mais c'est aussi des choses qui sont importantes à envisager, puisque ça montre votre travail, ça vous permet de rencontrer différentes personnes. Et moi, c'était une super vitrine, une super opportunité pour moi de présenter ce travail-là. Et en parallèle, en fait, c'était le prix que j'avais reçu, parce que j'avais remporté le prix des meilleurs agents associés de Paris. Donc, ils sont des agents d'illustrateurs, en fait, qui représentent les illustrateurs sur les marchés parisiens et européens. Et par la suite, du coup, avec mes agents, à ce moment-là, j'ai travaillé sur ce projet, enfin, sur ce livre, d'ailleurs, qui est sorti, qui est le volume 3 d'Histoire du soir pour filles rebelles. Donc, il y a un livre qui est dans la lignée de ce qu'a fait Pénélope Bagieux avec Les culottés. Donc j'ai été mandatée pour réaliser 3 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire, donc notamment Clémentine Delay qui était la femme à barbe, Aline Goubry qui est une écologiste de 18 ans il me semble, et Chloé Charles qui est une jeune femme qui a participé à Top Chef, je suis même peut-être qu'elle l'a gagné Top Chef, donc qui est une jeune femme pareil chef qui est hyper dynamique et qui est une figure féminine dans un milieu très masculin. Donc c'était un projet hyper intéressant pour un premier projet d'édition d'ailleurs, puisque c'était la première fois que je faisais des illus pour un livre. Ensuite j'ai travaillé avec Netflix, ça c'était en septembre dernier. J'ai réalisé en fait un pack de 5 gifs pour Netflix sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est des gifs que vous pouvez retrouver à l'heure actuelle quand vous utilisez des gifs sur Instagram. Vous avez juste à taper Netflix FR. Et vous aurez ces petits gifs-là qui ont été du coup réalisés pour la rentrée des classes. Donc pareil, à chaque fois des petits gifs à l'effigie de Netflix. Là, ce qui était intéressant, c'était aussi de coller en fait à l'image de marque de Netflix, parce que ils sont de plus en plus en train de se tourner vers des illustrateurs pour faire des gifs, des petites illus, pour promouvoir les séries, etc. et les films qui sortent sur la plateforme. Il fallait quand même rester cadré dans la gamme graphique, dans la gamme de couleurs. Et pas non plus être trop ludique ou trop bébé ou trop enfantin. Attendez, hop, les gifs sont peut-être un peu lourds pour le truc. Ah mince. Donc voilà, des gifs. Donc j'ai été contactée par une agence là pour avoir un peu l'envers du décor. Dans ce genre de projet-là, c'est pas forcément le client qui vient directement à vous, Mais c'est des agences qui vous contactent en fait et qui vous briefent pour réaliser ça pour le client. Donc ça c'était pour Netflix. Moi c'était un super projet pour moi parce que Netflix c'est quand même un client hyper prestigieux ma foi. Et j'ai été ravie de travailler avec eux. Et c'est des gyps je pense qui tournent plutôt bien en termes de gamme colorée. Voilà. Ensuite, oups, je passe à la slide suivante. Ça ne veut pas marcher. Hop, hop. Ah, pourquoi ça crache? Voilà. J'ai réalisé des cartes aussi, ça c'est un super exercice d'illustration, de prendre en fait un pays ou un quartier d'un endroit que vous aimez et de le passer en illustration puisque ça vous permet en fait de faire une sélection hyper précise des endroits que vous voulez mettre en lumière. Et du coup ça m'a permis de travailler avec la maison d'édition Zigzag qui édite des objets de tourisme en fait un petit peu partout en France. Bon, là en l'occurrence la Corée du Sud n'est pas en France, j'en ai bien conscience, mais... c'était une des cartes que j'ai faite avant de travailler avec eux, en fait, qui leur a fait connaître mon travail. J'ai réalisé une carte du Moulleau, donc, qui est un quartier d'Arcachon, si des Arcachonnais sont par ici. J'ai également réalisé une carte d'Arcachon, mais que je ne vous ai pas mis là parce qu'elle était assez similaire à celle du Moulleau. J'ai donc fait une carte de Lyon, une carte de Lille, et ça, c'est des cartes qui sont hyper intéressantes graphiquement, comme je vous le disais, parce qu'elles sont un très bon exercice pour synthétiser en fait tous les sens d'une ville dans une illustration. Et je travaille également beaucoup avec le Canada parce que j'ai des agents en fait au Canada qui promeuvent mon travail et s'occupent de promouvoir mon travail comme je viens de le dire ma foi. Donc je travaille beaucoup avec de la presse. En l'occurrence là c'est une illustration que j'ai réalisée pour le magazine Professionally Speaking qui est un magazine de professeurs en fait à Ottawa, il me semble. Donc là, c'est une frise hyper intéressante à faire dans la mesure où elle est extrêmement riche en termes d'idées. Quand on la voit de prime abord, on voit qu'elle est riche, mais c'est surtout quand vous allez dans le détail, en fait, chaque petite illustration se référait en fait à un paragraphe de l'article mis en compagnie de cette illu-là. Donc il fallait, c'était une illustration sur le civisme à l'école, donc vraiment l'idée de proposer des choses, de s'intéresser à l'écologie, de s'intéresser aussi au passé du Canada, puisqu'on a parlé, on a quelques références aux monnaies traditionnelles pardon, et anciennes au Canada, l'idée d'inclusion, pardon. C'était une illu très riche, et le Canada, par rapport à la France actuellement en termes de briefs, ce sont des gens qui font des briefs bien plus serrés que les Français. Ils ont souvent beaucoup d'attentes et beaucoup d'idées graphiques. Et c'est de super bons exercices parce que justement, vous êtes créatif et libre. Et vous avez quand même une bride derrière. Et c'est intéressant quand on travaille de se plier à des exigences en fait, qui sont différentes des vôtres. Donc le Canada, c'est un super client. Enfin, c'est la façon de travailler au Canada est un super exercice en tant qu'illustratrice. Donc ça c'est pareil, un autre projet que j'ai fait avec eux en mars il me semble, pour la ville de Laval, donc une ville dans la banlieue de Montréal. Donc là il s'agissait pareil de présenter une illustration, en plus c'était au moment du Covid, où on a commencé à vraiment prendre les mesures du Covid, et donc il fallait que les personnages soient à une certaine distance pour respecter les distanciations sociales, pardon. Et il fallait aussi, il y avait énormément de guides en termes d'aliments proposés sur le tapis de pique-nique. Donc moi, ça, c'est des choses que je trouve intéressantes en tant qu'illustratrice. J'aime être libre et j'aime être créatrice, mais j'aime bien aussi quand on me bride un petit peu sur la créa, ça me fait sortir de ma zone de confort, et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper chouette quand on travaille tout seul. Ensuite, un autre de mes projets, c'est... la couverture du Prescripteur. Donc le Prescripteur, c'est un magazine qui est proposé par Prescription Lab, pardon, une box de beauté mensuelle. Pardon. Donc une box de beauté mensuelle qui propose à chaque fois un petit magazine avec des idées, voyages, beauté, etc. Et elles m'ont proposé en fait de réaliser la couverture et la quatrième de couve en se basant sur un dessin que j'avais déjà réalisé. Donc si des gens ici connaissent déjà mon travail, Terre en vue, c'est une des illustrations qui m'a fait connaître entre guillemets à certains clients, puisqu'elle était un petit peu provocatrice et amusante. Et en fait, là, on a travaillé pour l'adapter à une couve et faire le verso, en fait, avec des mains sur des fesses. Et c'est une couve et une quatrième que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont... je les trouve assez ludiques, et je trouve ça assez, assez audacieux de la part du prescripteur d'avoir mis ça en proposition à leur cliente. Et ça a plutôt bien plu, donc... c'est toujours sympa d'être un peu impertinente quelquefois sur son travail, puisque ça plaît aussi. Et voilà un petit peu pour tout ce que j'ai fait dans ma carrière pour le moment. Ça, c'est une petite animation que j'ai réalisée dernièrement. Je bosse pas mal aussi en motion, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas initialement dans ma formation, donc j'apprends un peu sur le terrain. Donc moi, je travaille, comme je vous le disais, beaucoup avec les réseaux sociaux. Instagram, c'est quand même ma source majeure en fait de visibilité. C'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, et c'est important d'utiliser les réseaux sociaux lorsqu'on se lance en illustration, parce que parfois on vient d'un milieu où en fait personne de notre entourage ne fait d'illustration, n'a de contact, et on a toujours tendance à dire que c'est des métiers de contact, la création, alors que c'est des métiers où on peut aussi se faire son trou entre guillemets soi-même. Et les réseaux sociaux sont vraiment, d'ailleurs les réseaux sociaux, je devrais dire Instagram, puisque c'est quand même le canal majeur. C'est quand même un canal qui a certes des défauts, mais qui a cette capacité de vous faire connaître, de vous faire rencontrer des gens, et de vous faire en fait... rencontrer des personnes que vous auriez jamais pu rencontrer dans la vraie vie, parce que peut-être vous auriez eu peur de leur envoyer votre travail, ou peut-être que tout simplement vous n'auriez jamais eu l'occasion d'avoir leur mail ou leur téléphone. Et les réseaux sociaux sont quand même hyper libérateurs par rapport à ça. Donc moi, j'ai vraiment utilisé les réseaux depuis 2018 pour parler de mon travail et pour faire connaître mon travail. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui m'apporte énormément de clients et de visibilité. Et voilà, j'insiste vraiment sur ce point. Postez des choses, même si vous pensez que c'est pas parfait. C'est toujours important d'avoir une trace de ce que vous avez fait, ne serait-ce que pour voir votre progression, pour pouvoir avancer et proposer en fait une diversité de choses que vous n'auriez pas forcément sur votre site internet. Instagram, à l'heure actuelle, c'est pour moi presque l'équivalent de mon site internet. Il est rare que mes clients passent par mon site directement pour me contacter. Ça se fait beaucoup par Instagram. Donc voilà, et Instagram, ça m'amène en fait à ce qu'on va faire maintenant. Ça m'a permis aussi de proposer des gifs. Donc sur Instagram, les gifs, ça passe par Giphy, qui est une plateforme en fait en collaboration avec Instagram, et qui vous permet en fait de proposer vos gifs et que vos abonnés puissent après les utiliser dans leur story et tout ça. Moi, j'ai des statistiques sur Giphy que je n'ose même pas regarder tellement elles sont élevées, elles me paraissent assez folles. Mais en fait, ça imprime le nombre de fois où vos gifs ont été vus, ont été utilisés, ont été cherchés. Et les gifs, c'est hyper intéressant à l'heure actuelle pour l'illustration, parce que de plus en plus de marques ont besoin de petits gifs pour rendre leur story attrayante et sympa. Encore plus à l'heure actuelle, puisque plein de marques en ont besoin pour parler de leur livraison, du Covid, etc. Donc les gifs, c'est un super bon exercice, et c'est pas très compliqué, surtout quand on se lance dans l'illustration. Donc je vais vous montrer en fait comment on peut réaliser un petit gif pour Instagram de façon assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour faire ça. La clé, c'est juste la pratique, mais là, en termes de technique pure, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc moi, j'utilise Procreate sur iPad. On me l'a beaucoup demandé qu'est-ce que j'utilisais comme médium pour travailler. Donc je bosse uniquement sur iPad. Procreate a la capacité de pouvoir extraire les fichiers Procreate en fichier PSD. Donc parfois, il arrive que vos clients vous demandent les fichiers sources pour pouvoir les retravailler. Ça, il faut faire attention aussi à ne pas les céder sans en demander quelque chose en contrepartie, mais c'est un autre sujet. Donc c'est un logiciel qui est hyper facile, hyper maniable, et je l'utilise avec un Apple Pen, je crois que ça s'appelle, ou un Apple Pencil. Donc je passe sur Procreate. Pour le petit côté un peu technique, je crée un nouveau fichier, je peux vous le faire là. Donc voilà, Insta, j'utilise ma size habituelle. Est-ce que vous voyez mon écran? petit ajustement technique, aucun problème, tout est sous contrôle. Qu'est-ce que je vous disais par ailleurs par rapport à ça, l'iPad, moi c'est quelque chose que je préconise en général parce que bon bah certes c'est un investissement, mais de la même façon que c'est un investissement d'acheter une Cintiq ou un Mac, un ordinateur pour travailler, c'est essentiel d'avoir un outil de travail comme ça qui est assez performant par rapport à vos clients, parce que même si vous aimez travailler en manuel, c'est toujours important d'avoir un matos de qualité et d'avoir des choses assez propres à proposer à vos clients. Et l'iPad, il a aussi cette capacité à être hyper nomade. Moi, je peux l'emporter quand je voyage, je peux l'emporter n'importe où, je peux tout faire avec. Et du coup, on va s'en servir maintenant. Passons aux choses sérieuses. Donc je pense que pour ça, pour ce gif là, on va faire quelque chose d'assez simple que vous allez pouvoir reproduire soit en même temps que moi si vous avez votre iPad sous la main, soit après en regardant mon replay, enfin le replay, mon replay, je suis très présomptueuse. Je vais choisir une brush très simple qui s'appelle Plume Studio parce qu'en fait il faut savoir que lorsqu'on utilise ces gifs pour Instagram, Instagram compresse énormément votre travail, et si vous utilisez des brushes trop crayons, en fait il n'y aura aucune lisibilité par rapport à votre travail. Donc on commence d'abord par un premier calque. Moi je vais faire un petit picto que je réalise en fait souvent, vous allez voir c'est pas très compliqué, donc ça va être une petite chose comme ça. Oups, ça dérape un peu. Donc on n'hésite pas à venir se rectifier. J'ai la main qui accroche un peu à mon écran. Donc vous voyez, Procreate, ça vous offre quand même la possibilité d'avoir ce traité en fait directement sur l'écran. Donc ça c'est pareil sur les Cintiq. Mais moi j'ai toujours travaillé avec un iPad, donc j'imagine qu'on peut avoir ce côté lisse sur d'autres tablettes, mais je trouve que l'éclairage et la visibilité de l'iPad est top. Donc pareil, je fais mon petit cœur. Là, je rajoute juste un calque qu'on va fusionner ensuite pour ajouter le visage de mon petit bonhomme. Donc je fais un petit œil. Hop. Vous allez voir, c'est assez rapide. Parfois, il arrive que vraiment je fasse beaucoup plus de détails, mais là, en l'occurrence, on est quand même limité par le temps. Donc je vais vous montrer comment aller droit au but. Hop, on fait venir les yeux. Hop. Pour les gifs, de la même façon, on n'hésite pas à utiliser des couleurs qui sont assez visibles, parce qu'il faut bien penser que les gifs sur les réseaux sociaux vont être vus en très petit. Ça n'a rien à voir avec la taille de ce que j'utilise ici. Peut-être vous vous demandez quel spec il faut utiliser pour son fichier pour les gifs, pour Instagram en tout cas. La réponse est il n'y en a pas, puisqu'en fait Giphy est hyper aléatoire. Moi au départ je travaillais avec des fichiers très petits de 560 par 560, mais en fait je me suis rendu compte qu'en travaillant avec du 560 ou du 3000 par 3000, ça ne changeait rien à la qualité de mon image. Donc je me suis dit autant travailler en grand, je serai au moins plus à l'aise, et là ça nous permet de vraiment être impactant et de vous montrer en détail comment je le fais. Alors voilà, je triche un petit peu en faisant des raccourcis comme ça, mais c'est pour la bonne cause. Hop. Donc là pareil, quand on travaille avec les couleurs, on utilise les sous-teintes de sa couleur afin d'avoir une cohérence. Je viens lui faire un petit sourire parce qu'on a quand même besoin d'un peu de bonne humeur actuellement. Hop. Voilà. La fabrication des gifs comme ça, c'est vraiment très manuel, il n'y a pas de technique magique. La seule chose, c'est que vraiment Procreate, il vous permet d'extraire un gif super rapidement, alors que Photoshop, il faut un petit peu plus prendre le temps, même si bon, c'est pas non plus faramineux. Là, on va venir ajouter juste des petites antennes pour créer du mouvement, en fait, comme ce que je vous avais montré pour les gifs de Netflix. Oups. Voilà, on se le recentre. Et en fait, ce qu'on va venir faire maintenant pour créer notre GIF, moi c'est comme ça que je procède, peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire pour que ça rende tout aussi bien. Mais moi j'aime vraiment toujours avoir ce côté de montrer de ma patte sur mon travail. Donc je passe mon premier calque en opacité à environ 15, bon un petit peu plus quand même, 28%. Je reviens dans mon nuancier là de toutes les couleurs que j'ai enregistrées. Et en fait on va juste revenir sur notre dessin. Là vous voyez j'ai vraiment un trait qui est très imprécis, mais c'est ce qui va aussi créer en fait le mouvement de mon gif. J'apporte voilà mon petit truc, je repasse sur mon dessin mais sans non plus en fait trop m'y attacher, parce que ça va me permettre de créer le mouvement en fait et la petite dynamique du gif. Parce que si vous reproduisez en fait exactement la même chose, ça ne marchera pas. Et si vous produisez quelque chose de trop différent, donc beaucoup trop gros par rapport à l'image ou beaucoup trop petit, ça ne fonctionnera pas non plus, bien évidemment. Donc pareil, on revient sur ce qu'on a fait tout à l'heure. On repasse sur les yeux, pardon, n'importe quoi. Hop. Donc vous voyez l'idée, je suis en fait ce que j'ai fait simplement pour rester en place au bon endroit, mais je ne suis pas non plus en train d'être à la loupe pour être parfaitement exacte avec ce que j'ai fait. Je m'assure juste, vous voyez, typiquement mon trait était trop petit, je m'assure juste de rester quand même un petit peu cohérente par rapport à ce que j'ai fait. Mais en fait les différences de traits vont vraiment créer cette dynamique-là. Donc là, j'ai mes yeux, je vais venir faire mes petites pupilles. C'est vraiment pas très compliqué. Pour ce qui est de la technicité un peu logistique des gifs sur Instagram, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou si vous avez à l'heure actuelle un compte Instagram professionnel, entre guillemets, il faut créer un compte chez Giphy, en fait, sur le site de Giphy. Où vous vous identifiez en fait en tant que créateur de votre propre contenu, donc vous n'avez pas le droit de proposer des gifs déjà existants, il faut que ça soit votre propre création, et il va falloir que vous créiez votre compte et qu'on vous accepte en fait en tant que créateur, et seulement à partir de ce moment-là, vos gifs seront accessibles à votre communauté en fait, et à tout le monde d'ailleurs, puisque c'est une plateforme monde. Il faut d'ailleurs un petit peu faire attention aux choses qu'on dit, puisque comme c'est régi par les Américains, ils ont tendance à être un petit peu touchy sur les choses avec peut-être des mots un petit peu vulgaires, entre guillemets. Il faut faire un peu attention sur Instagram. Donc là, voilà, je suis revenue faire mon visage. Hop, je repasse mon calque. Je reprends le même jaune que tout à l'heure. Là, je vais juste faire... Mince. Prolonger mes petites antennes. Vous voyez, typiquement là je suis trop mince par rapport à mon premier trait, et je vais les faire en fait s'alterner par rapport à ce que j'ai déjà fait tout à l'heure, pour en fait vraiment amener une dynamique. Et si on a envie de le pousser encore un petit peu plus dans le mouvement, on va recommencer ce qu'on a fait au début. Vous voyez, c'est assez répétitif, hein. Il n'y a pas ce genre de gif qui marche très bien sur Instagram n'a pas une technicité monstre. C'est pas un motion que vous allez proposer dans Instagram, parce qu'en fait ce serait trop dommage de vous casser la tête à faire un truc super propre, alors qu'il y a de fortes chances pour que Instagram vous casse votre qualité. Il faut rebrancher le câble. D'ailleurs là je... Hop, donc... Là, attendez, parce que je suis un peu trop proche de ce que j'ai fait au départ. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Et même à l'export, vous allez voir, on va un petit peu moins s'embêter que sur Photoshop. Typiquement, je refais mon cœur, donc toujours en étant un peu imprécise. Tu veux que je le débranche? va juste reprendre un petit problème actuellement, c'est les aléas du direct. J'ai l'impression d'être Julien Courbet quand je vous dis ça. Mais on va vite se remettre sur pied. Donc voilà, normalement, vous devez me revoir en ligne comme il faut. Donc ce que je vous disais, voilà, on continue ce qu'on a fait en fait pour la troisième fois. Alors il m'arrive vraiment parfois de recommencer 16 fois mon trait, parce que je suis un petit peu psychorigide sur la netteté de mon trait. Je ne vous invite pas à faire de même, parce que vous allez vraiment vous embêter pour vos prochaines illustrations. Vous restez comme ça. Tout ce qu'on s'est dit, pareil, on reproduit en étant un petit peu imprécis. Là, évidemment, je travaille quand même assez rapidement pour pouvoir vous montrer quelque chose de rapide. Vous n'hésitez pas quand même à vraiment vous assurer que ce que vous faites est cohérent. Pareil, là, je pense que sur ma troisième fois, j'ai fait des cils un petit peu trop épais par rapport aux autres choses. Donc, on va voir. Donc, pareil, je reviens vraiment hyper bêtement sur mes pupilles. Hop. Ensuite, tout l'intérêt de ce genre de travail quand on est sur Giphy, etc., c'est vraiment le GIF vous permet de proposer des choses qui sont cohérentes avec l'actualité. Typiquement, vous allez pouvoir proposer des GIFs. Bon, bah là, c'est pas ultra réjouissant, mais par rapport au Covid, portez votre masque, stay home, vraiment, vous pouvez proposer des choses à votre communauté et à vos potentiels clients, en fait, en leur montrant que vous êtes au fait de l'actualité et que c'est aussi important dans le travail d'illustrateur de pas toujours faire que ce qu'on a envie de faire. Par exemple, si vous avez envie de dessiner que des trucs de magie, que des trucs d'astrologie, bah, c'est chouette, mais en fait, il faut aussi diversifier votre travail. Il faut faire preuve de flexibilité et d'adaptation et d'adaptabilité. Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est pas très joli. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer à travers votre travail et votre book que vous êtes flexible et vous êtes au fait des choses qui se font. Hop. On continue ça, on a presque terminé. Vous allez voir, on est un peu des magiciens de l'image. Donc voilà, là je vais juste venir réajuster certaines petites choses parce que bon, j'ai un petit peu bourriné ça. Donc on vient juste préciser quelques petits endroits. Vous allez pouvoir aussi corriger lorsque vous allez exporter le GIF pour vous rendre compte qu'il y a des petites imperfections. Et là de la même façon, on reprend notre jaune de tout à l'heure. Et là, je m'enlève ça, je me mets mon gif d'avant pour être à nouveau cohérente avec ça. Hop. Donc là, on va pouvoir exporter notre gif. Donc on va s'assurer qu'on a la même opacité partout. Donc vous voyez, là on est déjà sur des différence d'épaisseur. Notre mouvement, il va peut-être déjà exister de cette façon-là. Donc pour les gifs sur Instagram, il faut que vous enleviez l'arrière-plan, parce qu'il faut que ça soit un fichier vide qu'on puisse coller sur n'importe quoi. Donc vous allez faire partager, gif animé, et là vous allez venir régler en fait la rapidité de votre gif. Donc bon, bah, si vous avez envie d'un truc ultra rapide, vous pouvez, mais c'est pas vraiment l'idée. Et donc là, c'est un petit peu trop lent, là c'est un peu trop rapide, vraiment c'est une petite histoire de calage. Mais voilà, l'idée c'est que vous avez votre petite image animée comme celle-ci, vous avez la possibilité de l'exporter en HD, et vous avez aussi la possibilité de l'exporter en compatible web. Et là, ça vous donne une idée de ce que Instagram va faire de votre image. C'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir des choses assez simples et assez directes, parce que même moi, là, ce qui se passe au niveau du visage de mon petit cœur, ça risque d'être écrabouillé par Instagram lorsqu'on va l'utiliser. Bon, ça passera évidemment, ça se voit. Mais vraiment, il faut, quand on fait des gifs pour Instagram, il ne faut pas entrer trop dans le détail parce que malheureusement, la compression de l'image va faire que vos détails seront trop rapidement gommés. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à l'exporter et à l'enregistrer. Et vous avez fait un gif, tel des rois du gif. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et reproduire très simplement en restant toujours concis et assez efficace dans vos illustrations. Ça, c'est quelque chose que je mets toujours en valeur et que je dis aussi à mes élèves, puisque je ne l'ai pas précisé au départ, mais je suis également professeure d'illustration chez MJM en première année. Donc j'ai deux classes très chouettes et très motivées, donc c'est cool. Et moi vraiment, je les incite toujours à être efficaces dans ce qu'ils disent, dans les idées, dans leur façon de parler à travers leurs dessins. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait de l'illustration. Quand on a envie de dire quelque chose, il faut être efficace et concis. Sinon, vous allez perdre en fait votre auditeur. Donc voilà pour la partie un petit peu théorique. Et maintenant, on va passer à vos potentielles questions. Je vais regarder ça avec attention. Oups, alors. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être plutôt sur l'illustration, le métier, tout ça, parce que moi, pour tout ce qui est de la formation école, je ne serai pas la meilleure pour vous répondre. Je vois juste que vous dites que ça paraît simple et que la prochaine fois que vous allez essayer de le faire, vous allez voir flou. Alors, attendez. Comment est-ce que j'ai obtenu mes partenariats? C'est pas vraiment des partenariats. En fait, les partenariats, ce qu'on appelle comme ça, c'est vraiment l'idée de vendre des produits et on vous paye pour le faire. Moi, c'est du travail, en fait. C'est... de la même façon qu'un freelance en vidéo, etc., va travailler pour monter des vidéos, moi, c'est des clients qui me contactent, en fait, par Instagram ou par mon site ou par mes agents. Ça fait quand même 3 canaux de diffusion divers. Donc, c'est comme ça que je les ai obtenus, en fait, en travaillant, en mettant mon book à jour et en proposant des choses variées et d'actualité, en fait. Alors... vous êtes professeur MJM dans quelle ville? Eh bien, à Paris, tout simplement. Quelle est la référence de votre tablette et sur quel logiciel travaillez? Comme je l'ai dit, je travaille sur iPad Pro avec Procreate, tout simplement. Après, sur iPad, vous avez aussi Fresco, qui est assez intéressant. Et vous avez la possibilité, avec la suite Adobe, d'avoir un Photoshop et un Illustrator qui fonctionnent sur tablette. Voilà. Et j'ai également vu qu'on me demandait si je... brancher ma tablette à mon ordinateur, et ça ne m'arrive jamais parce qu'en fait moi je n'aime pas avoir mon papier entre guillemets virtuel et mon écran déporté. Ça me gêne en fait de lever les yeux et de regarder, donc l'iPad c'était un bon compromis pour moi, et de la même façon que les syntiques peuvent le faire aussi. Moi j'ai vraiment besoin en fait d'être directement comme lorsque je dessine en fait sur un carnet de croquis quoi. Alors où est-ce qu'on peut trouver votre book? Ça, c'est de la question un petit peu auto-promo, mais ma foi, vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vais le montrer en même temps que je vous parle. Mon pseudo, il est un petit peu long, mais comme je vous le disais, c'est parce que j'ai un nom un petit peu commun. Je m'appelle La ville et les nuages, en un seul mot. Hop. Yes. Donc là, vous avez... mon travail, et comme je vous l'expliquais en fait mon Instagram ça me permet aussi d'avoir un book constamment mis à jour, alors que sur mon site je vais simplement mettre les choses avec de réels clients. L'Instagram il vous permet aussi d'avoir une sorte de cahier de brouillon, de tester des choses, de coller à l'actualité, de faire des petites blagues, etc. Et puis votre book c'est là où vous allez vraiment mettre les choses qui ont été actées et pour lesquelles vous avez vraiment travaillé entre guillemets. Moi c'est comme ça que je procède. Après il y a une multitude de façons de travailler, mais moi je vois vraiment Instagram comme une vitrine en fait de mon travail. Donc vous pouvez retrouver mon travail ici, et je vais vous montrer mon site pour que vous ayez une idée de la différence. Donc là c'est mon shop en l'occurrence, mais voilà, vous avez en fait les boulots que je vous ai montrés au départ, qui sont des boulots avec de réels clients entre guillemets. C'est important aussi sur votre site de ne pas perdre, votre potentiel client avec trop d'images qui ne sont pas concrètes ou qui sont juste des petits drafts. Et j'ai également aussi quelques petites choses qui montrent des skills différentes de d'habitude. Mais voilà, pour ce qui est de la différence book, Insta et site internet, quoi. Est-ce que je prends des stagiaires? J'adorerais prendre des stagiaires. Peut-être bientôt, vraiment pour le coup, mais j'ai encore pas les locaux pour vous accueillir. Je vais pas vous accueillir chez moi, on risquerait d'être un petit peu à l'étroit. Mais bientôt, je pense pouvoir quand même envisager cette possibilité, mais à l'heure actuelle, pas encore. Mais restons en contact, ma foi, pourquoi pas. Comment est-ce que j'ai trouvé mes agents au début? Je les ai trouvés, en fait, grâce à un concours auquel j'ai participé, qui s'appelle le concours des meilleurs agents, je crois, qui est en fait le syndicat des agents d'illustrateurs et des agents de photographes à Paris. J'ai remporté le prix en illustration, donc en 2019. Suite à ça, j'ai échangé en fait avec des gens pendant la soirée de remise des prix, mais ça m'a pas permis de trouver mon agent immédiatement. C'est pour ça aussi qu'il faut être patient quand on fait des métiers en freelance. Les choses n'arrivent pas toujours immédiatement, il faut semer des graines et les récolter plus tard. Mais en tout cas, ça m'a permis d'entrer en contact avec des gens au Canada, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'ai trouvé mes agents au Canada et fortuitement, grâce à l'exposition à la Slow Gallery, j'ai rencontré mon agent parisien, en fait, totalement par hasard. Il était là, il déposait des choses et je lui ai montré, bah, j'ai un peu fait le pied dans la porte, comme on dit, mais j'en ai profité pour lui montrer mon travail et lui rappeler que potentiellement il l'avait déjà vu lors de ce prix-là et bah, ça a matché. Donc voilà, c'est un peu aussi le hasard de la situation. Les agents, c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez en avoir un, vous pouvez ne pas en avoir. Je connais des illustrateurs plus âgés qui n'ont jamais eu d'agent, qui trouvent totalement du travail sans agent. Après, l'agent, il est aussi là pour vous soulager sur toute la partie administrative et de vie, qui n'est pas toujours hyper évidente quand on sort d'école ou quand on débute. Lui, il est là pour vous épauler et aussi pour vous protéger et pas qu'on abuse de vous, en fait, en utilisant vos illustrations, sans respecter vos droits. Voilà, c'est son travail à lui de vous protéger et de promouvoir votre travail également grâce à son réseau qui est en général un petit peu plus étendu que le vôtre. Comment se lancer dans l'illustration quand on n'a aucun contact diplôme? Oui, en l'occurrence, faire une formation, c'est un petit peu chouette, notamment ici dans cette école, puisque c'est fait pour ça. Moi, je pense que c'est quand même important d'avoir une formation. Après, bien évidemment, on pourra vous dire que vous pouvez réussir sans formation. Moi, j'ai pas vraiment envie de faire l'oiseau de mauvais augure en vous disant que c'est impossible. Mais l'école a au moins la possibilité de vous apprendre une rigueur et une discipline que vous n'aurez peut-être pas forcément en étant seul. Après, ça dépend aussi des reconversions lorsqu'on est plus âgé et qu'on n'est pas plus en âge d'aller à l'école, mais c'est que si vous avez 45 ans et que vous êtes avec des jeunes de 17, ça risque de peut-être être un petit peu pénible au quotidien. Mais après, la clé de l'illustration, que vous soyez en école ou que vous soyez tout seul, c'est vraiment la pratique et la curiosité. Parce que si vous avez un excellent style de dessin, quelque chose de très précis, d'anatomique, d'extrêmement précis, si vous n'avez pas une curiosité ou une ouverture derrière pour proposer des choses nouvelles, pour être d'actualité, pour être pertinent avec ce qui se fait actuellement, bah vous allez galérer en fait, parce que même si votre style est bon, votre manque peut-être de curiosité ou d'ouverture pourrait être pénalisant. Et l'école, elle a aussi cette possibilité de vous faire connaître des choses et de vous créer un mini-réseau au départ. Et après, ce que je disais aussi, le contact et le réseau, c'est pas forcément obligatoire pour avancer. C'est toujours un plus, mais c'est aussi quelque chose que vous allez construire avec le temps. On n'a pas un réseau comme ça, clé en main, à 25 ans, à part si on a des parents qui étaient des artistes, etc. au départ. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de contacter, de mettre le pied dans la porte et de se dire que voilà, il y a de la place pour tout le monde et que voilà, il ne faut pas avoir peur et il faut être patient. Peut-être petite question technique, combien de temps met Giphy pour valider nos gifs? Ça, c'est hyper aléatoire. Pour le coup, je ne peux pas donner vraiment une réponse précise. En général, ça va de 2 à 3 jours. Mais c'est une plateforme qui est extrêmement réactive. Donc, si vous n'avez pas de réponse au bout de 2-3 jours, vous n'hésitez pas à leur envoyer un mail. Je fais un petit peu le retour client de Giphy. Mais c'est vrai que c'est une plateforme un petit peu obscure au départ. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils sont très sympas en plus. Donc vraiment, envoyez-leur un mail pour qu'ils valident le site, le profil créateur et ça devrait aller comme sur des roulettes. Comment mettre ses travaux en valeur sur Instagram? Il faut faire Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Il faut faire attention à proposer des choses assez cohérentes. Après, moi, je ne suis pas du tout partisane de faire des feeds Instagram ultra carrés, ultra chiadés, où vraiment vous êtes là, oh là là, il faut que je fasse un carré bleu, un carré blanc, un carré orange. Je pense que l'authenticité prime sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, surtout sur les réseaux comme Instagram, qui sont quand même des viviers de superficialité. Il faut être authentique, il faut rester soi-même en fait, et lorsque vous proposez de l'illustration, lorsque vous êtes illustrateur, c'est vous que vous vendez en fait, c'est pas autre chose que ce que vous êtes. Donc il faut rester cohérent avec soi-même, proposer des choses qui nous plaisent, soit que ce soit des choses qui nous rendent heureux ou au contraire des choses qui nous mettent en colère. Donnez de vous en fait, ça sera ça qui vous fera avancer et qui fera connaître votre travail, pardon. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être soi-même, vraiment, même dans la vie de tous les jours. Hein, restez vous-même, franchement, il n'y a pas besoin de faire différent. J'ai vu une question qui disait « Avez-vous peur du plagiat ?» Le plagiat, c'est un grand sujet, notamment dans le milieu de la création. Il y a plagiat et plagiat, il y a des gens qui s'inspirent de votre travail, il y a des gens qui copient à la lettre en mode calque votre travail, ça c'est vraiment pas chouette. Mais après, lorsque vous êtes dans un style illustratif, il y aura toujours des gens qui feront des choses dans le même esprit que vous. Là où il faut vous différencier, c'est sur les idées que vous allez proposer, sur l'authenticité, ce que je vous disais, de ce que vous proposerez. Donc le plagiat, c'est quelque chose qui existe. Après, il ne faut pas se focaliser dessus pour avancer. Votre travail il sera peut-être copié, repris, il sera peut-être même volé sur les réseaux sociaux parce que malheureusement Instagram c'est un peu la cour des miracles en termes de protection du travail, mais il faut continuer d'avancer. Et puis en fait si votre travail se fait plagier, c'est qu'il est sympathique, donc il faut peut-être le voir aussi comme quelque chose de positif. Après voilà, on reste toujours tempéré en se disant qu'on s'inspire, enfin qu'on peut inspirer mais pas non plus faire du copier-coller. As-tu appris à dessiner? Oui, en l'occurrence, puisque j'ai fait 5 ans d'études, où j'ai fait approximativement 10 heures de dessin par semaine. Donc le dessin, je l'ai bien, bien poncé. Et je continue à pratiquer tous les jours. Et je rebondis sur une des questions qui me demandait comment j'avais trouvé mon style. Je l'ai trouvé en pratiquant, en essayant des choses. Quand je suis entrée en école, je voulais être tatoueuse. J'avais des piercings partout, j'étais très, très à fond dans ça. Donc j'étais vraiment dans un style de dessin très en noir et blanc, ça peut sembler paradoxal quand on voit mon travail maintenant. Mais je voulais être tatoueuse et je dessinais tout le temps, je dessinais pendant mes études alors que mes études s'orientaient quand même sur quelque chose de très DA publicitaire. Mais j'ai continué à dessiner et en sortant d'école, etc. Et vraiment, la pratique m'a fait trouver mon style et m'a fait me décider sur quel univers j'avais envie d'aborder et la façon dont j'avais envie de le faire. Donc mon style, j'ai mis 7 ans à le trouver, vraiment. C'est un petit peu démoralisant quand on se dit ça, mais 7 ans, moi, ça a été vraiment nécessaire pour être ce que je fais actuellement. Et mon style actuel va forcément évoluer en grandissant et en vieillissant. Et on m'a demandé mon âge aussi, j'ai vu, j'ai 24 ans, donc... voilà, pour ce qui est du côté un peu style. Vous êtes rémunéré au temps passé sur l'illustration. Ça, sur les questions de tarifs et de comment tarifer entre guillemets son travail, ça va dépendre énormément des clients que vous avez en face de vous. Ça va dépendre aussi malheureusement de votre réputation, même si c'est délicat de se dire je suis jugée sur qui je suis, mais en fait la rareté crée aussi l'attraction. Donc à un moment vous allez avoir des tarifs pour une illustration que vous allez peut-être pouvoir augmenter avec le temps. Donc moi ça dépend de mes clients, parfois je budgète en fonction du temps que je vais passer, si ça va être à la journée, à la demi-journée, ou sinon je budgète avec forfait, et sinon mon agent fait les budgets pour moi, parce que c'est vraiment une question qui est délicate. Pour le coup c'est difficile et c'est délicat. Ça dépend vraiment de l'interlocuteur. Si vous avez une petite maison d'édition qui fait pas des scores monstrueux, vous allez évidemment pas leur toper une illustration à 3 000 € pour quelque chose une petite chose. Par contre si vous avez une grosse agence de pub en face, c'est sûr que les budgets seront différents. Donc pour le coup il faut vraiment ajuster délicatement entre les choses. Il faut être assez agile pour rester pertinent. Et quel statut professionnel as-tu? Je suis auto-entrepreneur, j'ai toujours été auto-entrepreneur. J'ai jamais été maison des artistes, alors qu'on m'a souvent dit qu'il fallait l'être pour faire de la création. Mais comme j'ai une boutique en ligne, je fais aussi de la vente en fait, de produits. Donc le statut auto-entrepreneur me permet d'avoir les deux casquettes et de facturer mes clients et de facturer mon site en ligne. Donc auto-entrepreneur, je pense que c'est un bon compromis et c'est pas difficile de se créer son statut. Et ça vous facilitera la vie après pour facturer à vos clients et pas bosser au black et pas être en danger justement sans que ça protège vos droits. Et comment as-tu trouvé tes premiers clients? Comme je vous le disais, par Instagram. Et je pense que mon premier client vraiment c'était Evian. Lorsque j'étais en école, j'ai réalisé des broderies pour Evian. Alors, complètement absurde, enfin pas absurde mais complètement différent de ce que je fais maintenant. Il m'avait trouvé via Behance, qui est un portfolio en ligne que j'utilisais beaucoup à l'époque. Il m'avait trouvé par mes réseaux sociaux à l'époque. Et ensuite, via BETC, j'ai travaillé pour Cadum. Et voilà, c'est toujours de fil en aiguille. En fait, vous semez des graines et puis elles germent au fur et à mesure du temps. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Donc je pense que j'ai essayé au maximum de répondre aux questions, aux interrogations qu'on peut se poser sur le métier d'illustratrice. Bien évidemment, il faut garder en tête que c'est mon parcours et c'est pas un parcours universel. Il faut rester curieux, alerte. Et puis, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez revoir ce live sur la chaîne d'MJM. Et n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram si jamais vous avez des questions. Mon pseudo, comme je vous l'ai montré, c'est La ville et les nuages. Et voilà, et puis j'espère que ça vous aura donné aussi envie de peut-être vous orienter vers des formations étudiantes comme celles qu'on propose ici. On propose des cursus super différents qui sont aussi adaptés à l'actualité et au profil de chaque étudiant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer surtout dans les métiers de la création parce que c'est des métiers qui font du bien et qui sont malgré tout très nécessaires au bonheur et à la bonne humeur quotidienne, et on en a beaucoup besoin en ce moment. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt sur les réseaux sociaux et peut-être chez MJM. Au revoir.